Les scientifiques ont découvert que vos mains moites et votre cœur qui s'emballent avant de prendre la parole en public ou avant une présentation pour vendre vos produits, vos services ou convaincre pour une idée sont exactement les mêmes réactions physiologiques que celles d'un chirurgien cardiaque avant une opération à cœur ouvert. La différence, le chirurgien, c'est comment transformer cette panique en performance surhumaine. Et dans les 7 prochaines minutes, je vais vous montrer comment les leaders les plus influents et les plus performants utilisent leur stress comme un super carburant pour prendre la parole en public sans stress, vendre leurs idées, leurs produits, leurs services au tarif premium et dominer leur marché avec des présentations puissantes et maîtrisées. Après 20 années d'expérience business à convaincre les autres et sans doute des milliers d'heures à étudier les techniques des entrepreneurs experts les plus performants, j'ai identifié 5 techniques scientifiques surprenantes qui changent tout. Et voici la première. Les scientifiques ont fait une découverte fascinante sur le stress. Vous savez, cette sensation considérée comme désagréable, vos mains qui deviennent moites, votre cœur qui s'emballe juste avant de prendre la parole, et bien devinez quoi, c'est exactement la même chose qui se passe dans le corps d'un tigre juste avant qu'il ne bondisse sur sa proie. Mais avant de vous révéler comment transformer cette énergie véritable en super pouvoir de conviction, laissez-moi vous montrer l'erreur que presque tous les coachs et les consultants font. Pendant des années, j'ai observé des centaines d'entrepreneurs avant des présentations importantes pour eux. Et voici ce que presque tous font. Ils essaient désespérément et maladroitement de se calmer, de respirer de la mauvaise façon, d'éliminer 100% de leur stress. Ces techniques, lorsqu'elles sont bien faites, ont bien évidemment leur place, mais on reste à un premier niveau. Les leaders les plus performants sont déjà passés au niveau suivant. Ils ont compris que chercher désespérément à éliminer 100% de votre stress à ces moments-là, c'est exactement comme si vous demandiez à un tigre de se détendre au moment où il doit bondir. Et vous savez ce qui se passe pour ces entrepreneurs? Non seulement ce n'est pas toujours la meilleure solution pour eux, mais ça leur fait perdre et rater des opportunités à plusieurs milliers, voire un million d'euros. Et voici pourquoi. Notre corps produit naturellement 2 hormones importantes dans ces moments-là. La première, le cortisol, c'est ce qui vous fait stresser. Mais la seconde, qu'on appelle la DHEA, c'est votre arme secrète. C'est elle qui vous donne cette énergie, cette présence, ce magnétisme quand vous parlez. Et voici le plus fascinant, cette hormone de performance, votre corps le produit le plus exactement au moment où vous sentez le plus stressé. C'est comme un athlète de haut niveau. Il ne recherche pas à éliminer son adrénaline avant une compétition. Il apprend à l'utiliser pour être encore plus performant. Les leaders les plus influents font exactement la même chose. Ne combattent pas cette énergie, ils l'utilisent. Laissez-moi vous montrer exactement comment faire avec la technique ACE. Elle est si simple que vous pourrez l'utiliser dès votre prochaine présentation. Commencez par poser votre main ici, sur le sternum. Vous sentez cette tension, ces battements, cette chaleur peut-être. C'est votre énergie qui s'accumule. Ne la combattez pas. Maintenant, faites quelque chose de contre-intuitif. Nommez cette sensation à haute voix. Dites simplement « Je sens de l'excitation dans ma poitrine ». Enfin, c'est là que toute la magie opère. Au lieu d'essayer de vous calmer, respirez vers cette sensation pendant environ 30 secondes, comme si vous souffliez une braise pour l'attiser. C'est exactement ce que je faisais au début de ma carrière à chaque fois que je devais prendre la parole en public devant une audience intimidante. Au lieu de paniquer face à mon stress, j'ai utilisé cette technique. Résultat, j'ai transformé ce stress en présence magnétique et ça m'a ouvert des opportunités en or. Et c'est pour cela que cette première technique s'appelle l'embrassade du tigre. Mais parfois, embrasser cette énergie ne suffit pas. C'est là qu'intervient une découverte fascinante faite sur les chirurgiens cardiaques. Une découverte qui explique pourquoi ils ne tremblent jamais, même avec une vie entre leurs mains. Et pour aborder la technique numéro 2, vous devez penser à un chirurgien cardiaque en pleine action. Son patient est sur la table d'opération. Les moniteurs montrent que le chirurgien a une tension à 180. Son cœur bat très vite. Pourtant, ses mains ne tremblent pas, même pas un millimètre. Comment est-ce possible? Les neuroscientifiques viennent de découvrir son secret et c'est fascinant. Mais avant cela, il faut qu'on parle de l'erreur que la plupart des entrepreneurs font avant une présentation importante. Ils essaient de penser à tout en même temps. Il faut que je sois convaincant, il faut que je n'oublie rien, il faut que je gère mon stress, il faut. C'est exactement comme si vous demandiez à un chirurgien de penser à toutes les complications possibles pendant qu'il opère. C'est la recette parfaite pour une paralysie et surtout la catastrophe. Voici ce qu'il faut comprendre. Les chercheurs ont découvert quelque chose de fascinant. Votre cerveau a une particularité étonnante, il ne peut pas maintenir un état de panique quand il est focalisé sur une tâche ultra précise. C'est physiologiquement impossible. Pensez à un archer. Au moment exact où il vise sa cible, ses tremblements disparaissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie pure. Les chirurgiens utilisent ce principe de manière brillante. Au lieu d'essayer de supprimer leur stress, ils redirigent toute cette énergie vers une seule chose, le prochain geste chirurgical. Un seul geste à la fois avec une précision absolue. Et je vais vous montrer comment utiliser cette découverte avec la technique PRO. Elle a transformé mes présentations et elle va transformer les vôtres. Première étape, précision. Avant votre prise de parole, prenez une feuille et écrivez ceci. Mon objectif unique est... Et vous écrivez la suite.
soyez ultra spécifique. Par exemple, au lieu d'écrire « je dois convaincre », écrivez « je vais partager l'histoire qui a transformé mon client le plus sceptique ». Deuxième étape, rituel. Créez une checklist avec maximum 3 points, pas plus, sauf si c'est vraiment nécessaire. Comme un chirurgien qui vérifie ses instruments. Troisième étape, obsession. Concentrez-vous uniquement sur la prochaine action, rien d'autre, comme si le reste du monde n'existait pas. Je pense à cette thérapeute qui utilise maintenant cette technique pour présenter son webinaire mensuel, parler à un public pour vendre à son audience en ligne son offre à 2000 euros. Au lieu de paniquer sur son objectif de vente, elle se concentre uniquement sur partager son histoire avec authenticité. Résultat, ses taux de conversion évoluent présentation après présentation. Et c'est pour cela que cette deuxième technique s'appelle la redirection chirurgicale. Mais que faire quand même cette précision chirurgicale ne suffit pas? C'est là qu'intervient une découverte fascinante faite sur les athlètes olympiques. Une découverte qui remet en question tout ce que vous croyez savoir sur la performance. Pour mieux comprendre la technique numéro 3, il faut d'abord que je vous parle d'un secret fascinant que gardent précieusement les pilotes de chasse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas lorsqu'ils sont les plus calmes qu'ils réalisent leur meilleure performance. C'est quand ils atteignent ce qu'ils appellent la zone optimale de tension. Mais avant de vous révéler comment ils y parviennent, laissez-moi vous montrer pourquoi être trop calme peut être même votre pire ennemi dans vos présentations en public. J'analyse régulièrement des centaines d'enregistrements commerciaux et j'ai récemment découvert quelque chose de contre-intuitif. Les entrepreneurs experts qui semblent trop calmes, trop détendus, sont parfois ceux qui convertissent le moins. C'est comme un avion qui voudrait décoller sans vitesse, physiquement impossible. Pour que la magie opère, il faut atteindre ce fameux point de bascule. C'est exactement comme cet avion au décollage. Il y a ce moment précis, cette vitesse critique où la résistance de l'air devient soudainement la force même qui le fait décoller. Ce qui était un obstacle devient un allié. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Les leaders experts ne cherchent pas à éliminer toutes leurs tensions. Ils apprennent à identifier leur vitesse de décollage, ce point précis où leur énergie se transforme en magnétisme pur. Comment faire de façon plus pratique? Eh bien, je vais vous révéler une technique que j'ai appris à développer après des années de pratique et d'observation des leaders les plus performants. C'est la technique CLEF. C'est comme calibrage. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre niveau de tension. Votre zone optimale devrait être entre 6 et 7. En dessous, vous êtes trop mou et au-dessus, vous risquez la surchauffe. 2. Levier. Utilisez des micro-stress contrôlés. Par exemple, juste avant de parler, visualisez l'impact que vous voulez avoir. Je n'ai pas dit visualiser le stress. J'ai bien dit visualiser l'impact. 3. Énergie. Ancrez-vous physiquement. Pressez fermement sur vos pieds au sol. Sentez la puissance monter. 4. Flow. Au lieu de combattre cette énergie, surfez dessus comme un pilote qui utilise des courants d'air. L'un des coachs en développement personnel les plus célèbres du monde, Tony Robbins, parle souvent d'une technique qui amène au même résultat. Depuis plus de 40 ans, il s'est rendu populaire pour cette fameuse expression « se mettre en peak state ». 40 ans plus tard, tout le monde répète cette expression par cœur, mais rares sont ceux qui ont vraiment compris la profondeur de cette technique jusqu'à ce jour. Great. Sit up in your chair with some energy right now. Sit up in your chair. Make sure the people on either side of you are in a peak state right now. Come on. Et c'est pour cela que cette troisième technique s'appelle le point de bascule. Mais même avec cette énergie parfaitement calibrée, il reste un défi majeur. Comment maintenir cette performance sur la durée? C'est là qu'intervient une technique fascinante utilisée par les neurochirurgiens, une approche qui va complètement changer votre façon de voir les présentations plus longues. Pour vous révéler cette quatrième technique, je vais commencer par vous poser une simple question. Savez-vous quelle est l'erreur la plus souvent commise quand il faut faire une présentation un peu plus longue, qui est plus de 30 minutes par exemple? C'est d'essayer de la préparer ou même de la présenter comme un seul long contenu complet. Je m'explique. Les neurochirurgiens ont découvert quelque chose de fascinant. Le cerveau sous stress ne peut pas gérer l'opération de 4 heures, mais il peut parfaitement gérer 120 micro-opérations de 2 minutes. Au début de ma carrière, je commettais systématiquement cette erreur. J'essayais de visualiser toute ma présentation d'un coup comme si c'était une seule pièce de contenu beaucoup plus robuste. Résultat, mon cerveau se mettait en surchauffe comme un ordinateur qui essaye d'ouvrir trop de programmes en même temps. Cette approche est vouée à l'échec et pourtant, c'est ce que plus de 90% des entrepreneurs experts continuent de faire. Prenons l'exemple d'un grand chef étoilé. Il ne cuisine pas un repas. Il assemble une série de petites préparations parfaites, chacune maîtrisée individuellement. C'est exactement ce que font les neurochirurgiens. Ils ne font jamais une opération. Ils réalisent une série de gestes précis, chacun parfaitement maîtrisé. Les neurosciences ont prouvé quelque chose de fascinant. Votre cerveau ne peut retenir un état de panique que pendant une période de temps limitée, si vous savez comment découper les moments correctement. Je vais vous partager un outil que les leaders les plus performants utilisent, c'est le système temps. Avec le T comme tranche, découpez votre présentation en segments de 2 minutes environ. Le E comme énergie, identifiez les pics naturels d'énergie. Placez vos messages clés à ces moments-là. Le M comme marque, créez des points d'ancrage émotionnels. Une histoire par exemple, une révélation,
un moment de connexion. Le P de pause, insérer des micro-pauses stratégiques comme un chef qui laisse respirer sa sauce. Et enfin le S de synchronisation, aligner chaque segment avec un objectif précis. Rien n'est laissé au hasard. Les neurosciences le confirment, quand vous découpez ainsi votre présentation, votre cerveau libère de la dopamine à chaque mini-réussite, il crée ainsi un état de flow naturel. C'est comme si vous transformiez une montagne intimidante en une série de petites collines facilement franchissables. Et c'est pour cela que cette quatrième technique s'appelle la dissection du moment. Mais il y a une autre pièce du puzzle dont on doit absolument parler, la plus puissante, celle qui va transformer votre stress en connexion profonde avec votre audience. Une technique si précise qu'elle peut faire la différence entre un « on verra peut-être plus tard » et un « oui, on commence quand ?» entre quelques applaudissements et une standing ovation. Cette cinquième technique commence par une question précise. Savez-vous quel est le moment le plus stressant d'une opération à cœur ouvert ? Ce n'est pas l'opération elle-même, c'est le moment final, quand tout doit se connecter parfaitement. C'est quelques secondes où le chirurgien doit transformer ses heures de travail précis en un résultat parfait. Et c'est exactement là que se cache le secret le plus puissant de la prise de parole en public pour convaincre et vendre. Les neuroscientifiques ont fait une découverte révolutionnaire. Votre anxiété peut diminuer de manière significative quand vous créez ce qu'ils appellent la boucle de connexion émotionnelle. C'est comme si votre cerveau ne pouvait pas être en état de stress et en état de connexion profonde en même temps. Et pourtant, la plupart des entrepreneurs passent leur temps à se concentrer sur leur stress plutôt que sur la connexion. Imaginez un instant un chirurgien qui ne penserait qu'à ses gestes techniques sans jamais considérer le résultat final pour son patient. Ça vous paraît absurde ? Oui, c'est pourtant ce que nous faisons quand nous nous concentrons uniquement sur notre stress, nos slides, notre script, en oubliant l'essentiel, la transformation que nous créons chez notre audience. Mais voici un outil qui va vous aider à transformer cette anxiété en connexion magnétique. C'est le protocole Cœur, avec C pour connexion. Établissez un lien authentique dès les premières secondes. Regardez votre audience comme des alliés, pas comme des juges. Ouverture. Partagez une vulnérabilité stratégique. Ce n'est pas votre faiblesse, c'est votre humanité. Écho. Créez des moments de résonance. Quand vous sentez le stress monter, concentrez-vous sur cette personne qui hoche la tête dans votre audience. Unification. Alignez chaque mot avec leurs aspirations profondes. Ce n'est plus votre présentation, c'est leur transformation. Et enfin, R comme résolution. Fermez chaque boucle émotionnelle que vous ouvrez comme un chirurgien qui fait une suture parfaite. Et c'est là que tout prend son sens. Le stress que vous ressentiez, ce n'était pas de la peur. C'était votre corps qui se préparait à créer un impact profond. Ces battements de cœur, ce n'était pas de la panique. C'était le rythme de votre top performance qui se mettait en place. Et c'est pour cela que cette cinquième technique la plus puissante s'appelle la suture émotionnelle. Et maintenant, vous connaissez ces cinq techniques. Chaque fois que vous sentirez votre corps s'accélérer avant une prise de parole, vous saurez. Ce n'est pas du stress, c'est votre excellence qui s'éveille. Mais il y a une chose d'encore plus fascinante. J'ai découvert qu'une grande majorité des entrepreneurs talentueux perdent leurs meilleurs clients potentiels, non pas à cause de leur stress, mais parce qu'ils manquent d'un système qui active naturellement leur leadership. Donc si ces cinq techniques peuvent transformer votre prise de parole, imaginez ce qui se passe quand vous les intégrez dans un système complet qui intègre votre leadership personnel dans votre business et qui attire magnétiquement les clients les plus engagés à volonté. Et bien c'est exactement ce que je vous partage dans la masterclass offerte qui vous montre pas à pas comment attirer et servir des clients premium à volonté à l'heure du digital et de l'intelligence artificielle pour devenir le leader d'autorité magnétique de votre domaine. Vous y découvrez comment transformer toutes ces techniques que vous avez découvertes en un système complet qui fait venir à vous les meilleurs clients déjà convaincus de votre valeur. Pour y accéder, c'est très simple. Cliquez sur un des liens qui s'affiche à l'écran maintenant ou dans la description quelque part autour de cette page. C'était Zico Kiax. À tout de suite de l'autre côté. Merci.